Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois on avait un petit peu avancé le village. Je sais plus si j'avais fait les chemins pendant la vidéo, mais en tout cas là j'ai fait un peu les chemins. Je pense que dans la zone des soigneurs on a à peu près tout ce qu'il me faut. Il faudra qu'on mette. Ah si, on avait fait les chemins dans la vidéo. J'avais dit qu'il fallait que je fasse, que j'y mette des plantes un petit peu. Donc on fera ça la prochaine fois, je pense. Là, pour changer un petit peu, parce que je suis passé quand même deux vidéos à designer ce truc-là, on va attaquer l'enclos ici des crocodiles marins. Crocodiles marins qui me semblaient avoir acheté, mais en fait non. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher des crocodiles marins pour les mettre dans notre zoo. Là, il y en a un, mais... Enfin, une d'ailleurs, mais elle est vieille, c'est dommage. Elle était pas très chère. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, ils sont très chers. Alors, dans la zoopédie, les crocodiles marins, ça vit jusqu'à quel âge? 72 ans. Ah oui, donc en fait... Elle est pas si vieille que ça, elle. Go. Go, je la prends. Hop. Ça aurait été bien d'avoir un mâle, quand même. Ah bah, il y en a un, là. 36 ans. Ouais, c'est un peu vieux, 36 ans. Pardi. Bah, surtout qu'il coûte un petit poil cher, quoi. Parce que là, j'ai bientôt plus de crédit de préservation, moi. Ça va commencer à être compliqué, là. Pour les prochains animaux. Allez. C'est quoi le nombre de gros, le nombre de personnes dans le groupe? Ah, deux. Ah, deux, c'est tout. Ah, mais moi j'ai fait un méga enclos là. Ils vont être que deux. Ouais, ils vont être pas mal, hein. Ils vont être beaucoup. Ils vont être un poil trop. Je pense. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon. De toute façon, c'est fait, hein, j'ai envie de te dire. Ouah, il est pas si grand que ça, cet enclos. Comme ça, c'est quoi mes plus grands enclos? Ouais, si, il est grand quand même. Il est pas mal. Il est pas mal, il fait combien de mètres carrés? 2800 mètres carrés, ouais, quand même, c'est un beau petit terrain. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça le fait. Ok, bon. Eh bien, on va faire ça, alors, vu qu'ils vivent qu'à deux, hein, on va acheter un mâle, et puis... Oh! 1000! Vas-y. Un mâle à 1000. 14 ans. Ah, il est blanc, non? Albinos. Ouais, il est pas très fertile, du coup. Ouais, tant pis, allez, vas-y. On a de la pluie, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on pourra en vendre aussi. Problème, c'est que ça fait longtemps que, qu'en fait, j'ai pas joué vraiment au jeu. Et c'est ça qu'il faudrait que je fasse la prochaine fois, je pense. Hop, hop. Envoyer dans le zoo. Ici. Par contre, ici. Il va falloir quand même d'abord que je termine un peu ça. Donc là, on va essayer de mettre, déplacer genre ce rocher. Ah, tac. Par là, comme ça. Oh, petit ralentissement. Genre là, clac. Et là, il faudrait qu'on mette un rocher aussi. Ce serait pas mal. C'est quoi comme rocher ça? Savane. Savane. On a quoi? Est-ce qu'on a désert ou un truc comme ça? Désert. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais désactiver les plans. On n'a pas de désert. Si, désert, voilà. Oups. Oups, oups, oups. Alors, désert, des trucs comme ça. Je pense que les trucs comme ça suffira. Ce sont les crocodiles, ça doit pas grimper a priori.
priori. Ça, c'est gros. Ça va être trop petit. On va mettre ça. Hop. Clac. Comme ça, c'est pas mal. Priori, il ne devrait pas pouvoir s'échapper, je ne pense pas. Et donc, on va mettre lecture, juste le temps que les crocodiles soient amenés à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est que là. Ah zut, alors attendez 2 secondes. Pas d'électricité, ça on s'en fout. Sources alimentaires inaccessibles. Ouais, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. On s'en fout de tout ça en fait. Ok. Voilà. Ça c'est pour plus tard. Oh, j'ai beaucoup trop d'objets dans mon zoo. Je pense que je vais être obligé de diminuer les graphismes. Trop longtemps dans une caisse. Ah mais lui il est dans la. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Allez. Mais pourquoi je peux pas le déplacer ici? Ah, attendez, je crois savoir pourquoi. Parce que je n'ai pas designé ma zone du personnel. Et là, j'ai loupé plein de trucs aussi, je pense. Alors, zone de travail. Est-ce que j'avais fait Égypte? Ou Afrique du Nord? Afrique du Nord, modifier la zone de travail. Alors ça déjà, voilà, ouais, je l'avais faite, ok. Ça, ça et ça. Voilà, ça c'est bon. C'est très très bien. C'est très bien. Donc là, on ferme, on ferme, on met lecture. On va chercher les crocodiles marins. On va les déplacer là-bas. Voilà. Et lui, pareil. C'est bon. Berka et Méga. Déplacer là-bas. Voilà. Ok, ça devrait être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé là? Non, c'était pas ça, c'était ça. Adulte. Ok, donc ça je l'avais déjà traité. Adulte. Alors, celle-là, on a dit qu'on allait la garder, donc on la garde. Antilope d'Amérique à vendre, donc on le met au centre d'échange et on le vendra plus tard. Oryx, gazelle et gestante. Oh, tiens, je les ai pas nommés. Les otaries de Californie non plus, d'ailleurs, tiens. Ah, les otaries ont eu des petits. Alors, ça va être l'occasion, tiens. Bon. Non, je voulais pas du tout faire ça non plus, je voulais aller dans le zoo des animaux. Donc on a dit les otaries de Californie, je n'ai pas nommé les reproducteurs. Qui sont ces deux-là? Non, pas du tout. Ça c'est une femelle enfant qu'on va vendre du coup. Parce qu'elle a pas de stats. Elle, on va... C'est une reproductrice, elle aussi. On la garde en attendant d'en avoir d'autres. Pourquoi pas? Bon, on va la vendre quand même. On a besoin de thunes. Hein. On a besoin de thunasse un peu. Alors, ensuite, on avait dit les oryx. Les oryx, c'est avec un i ou un oryx qui est un y. Ok, donc lui. C'est un reproducteur et les deux sont des reproducteurs aussi. Chose que je n'avais pas faite. Voilà, donc c'est bien, c'est celle qui a une médaille bronze qui est tombée en 5. Parfait. C'est parfait. Ok. Ah, je vous ai pas montré aussi. J'ai un peu avancé à l'intérieur de ma pyramide. Hop.
Clac, clac, clac. J'ai fait des murs un peu de partout. Là, je suis en train de faire des murs, du coup. Plaf, 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 plaf. Voilà. On pourra se déplacer à l'intérieur. Hop. Oula, je suis passé au travers de la route. Voilà, donc j'ai pas mal. Enfin, j'ai pas mal. J'ai un petit peu. Pourquoi ça veut pas zoomer? J'ai un petit peu avancé. Voilà, j'ai fait tous ces murs là. Clac, clac. Donc il y a du boulot, il y a du taf. Là, c'est du vide, c'est normal. Il y a du taf et je le ferai quand je le ferai. Ce sera fait hors vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, je joue pas trop à Planet Zoo hors vidéo. Donc, ça n'avance pas bien. Ok, donc, je disais, les alligators ne devraient pas tarder. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est déplacer un peu tout ça là. Faire quelque chose comme ça. Hop, là, on fait un petit contrôle D. Voilà, on s'embête pas trop. Hop. Tout à fait au même niveau, mais bon, faudrait pas que ça dépasse trop. On va tout redéplacer un peu de toute façon. Ça, hop, X, on y descend au maximum. Hop. De toute façon, j'étais déjà. Est-ce que je peux pas le ronger un peu plus ça? Est-ce que je ne pourrais pas le ronger un peu plus? Est-ce qu'ils sont arrivés là, mes alligators? Oui, ils arrivent, parfait. Ce ne sont pas des alligators, ce sont des crocodiles. Ah ouais, ils sont gros. Ah ouais, ils sont gros. Yes. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Girafe gestante, cool. Ça va être bien. Les chameaux déjà, dis donc. Très bien, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Ok, donc ici, il faut qu'on fasse ça. Hop, là on fera une espèce de petite cascade par là. Alors, hop, là on va essayer de faire un joli petit mur en pierre. Voilà, qu'est-ce qu'on avait là-dessus? Ça c'est mieux. Ah, ça c'est bien. Ok, même si on en a un petit peu, c'est pas trop grave. À la limite, on mettra une texture de pierre. Voilà. Là, on a un plat. Ok, là, on va faire un contrôle X. Hop. Ça c'est pas mal. Ensuite, on va peindre de la pierre là, ici, ici, ici aussi. Tout là, on va peindre de la pierre. Voilà, clac, clac, clac. Très bien. Ok, là, je voulais juste faire quelque chose un peu. Comme ça, peut-être. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voili voilou. Donc là, on a quelque chose de pas trop mal.
que c'est bon, ça fait à peu près réaliste. Ok, ça me convient, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Donc maintenant, on va regarder les besoins de notre animal. Qu'est-ce qu'il a besoin en terrain? Le terrain n'est pas ouf. Il n'a pas besoin d'abri solide, donc c'est parfait. Enfin, à moins que ça change comme ça, mais ça a l'air bon. Oula, oula. Donc il se déplace. Il est à l'aise hein, pour se déplacer lui. Il a besoin de moins d'herbes longues, de plus de terre et de plus de roches. Alors, on va lui rajouter de la terre. On va lui rajouter de la terre autour, là, autour de l'eau, on va lui mettre de la terre. Hop, par là aussi. Hop. Voilà. Et un peu plus de roche. Là, on va mettre de la roche ici, là. Voilà, c'est pas mal ça. Ok, nickel. Là, c'est un petit peu trop plat, mon goût. On va niveler un peu tout ça. On va crevasser le tout. Rapidos comme ça, voilà. Pas mal, ça fait un petit peu de truc. Ah oui, mais c'est vrai que ça, putain, ça c'est chiant possible. Vraiment. Texture. Utiliser des textures sectionnées. On peut pas. Putain. Ça c'est nul, hein. Qu'on puisse pas. Texturer, je veux dire. La volée. Enfin, que ça modifie pas la texture en fait, simplement. Bon, bref. Bref, bref, bref. Alors, les plantes. Océanie, Asie. Tropicale, aquatique, Océanie, Asie. Bon, c'est pas ouf du coup, parce que. Pas grand-chose, faut que j'enlève ça. Parce que ici, on est plutôt en Afrique, normalement. Plutôt en Afrique. Est-ce que je peux pas. Ces plantes sous-marines, on va en mettre, ouais. Il en faut. De toute façon. Voilà. Ça fait tout de suite quand même plus réaliste. Alors, je peux par là. Clac. Hop. Ok. Est-ce que ça le fait? Ça le fait. Ok. Alors. C'est quoi ça? Hygrophile géante. C'est pas de la plante aquatique ça aussi? Si, on dirait bien. Si, c'est des trucs aquophiles. C'est des trucs. C'est des trucs marins qui vont sous l'eau. Ah c'est bien, donc il y a des nouvelles plantes. Oula. Je vais t'enlever carrément. Je peux l'enlever. Hop. Voilà. On va carrément en mettre plein. Hein. Voilà, ça fait de la vie sous-marine un petit peu. C'est cool. C'est cool. Hop. Très bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok, alors maintenant. Maintenant au-dessus. Maintenant ici. Là, on va mettre du papyrus. On n'a pas des. Oula, bon. Palmier à queue de renard. Je vais quand même rajouter dans les filtres. Afrique. Parce que il y a des plantes en Afrique.
qui me plaisent bien. Un arbre à saucisse, par exemple. Il faudrait peut-être plutôt mettre des palmiers, des trucs comme ça, hein, dans cette zone. Des cocotiers, comme ça, là. Ce serait quand même un peu mieux. Parce qu'on est plutôt dans une zone... une zone Afrique. Donc... plutôt des plantes un peu comme ça. Ok... les petites plantes, on en mettra après. Je pense qu'on va d'abord mettre des grosses... des bonnes grosses plantes un peu partout, et après on mettra des petites. La mangrove, non. Les massettes, non. Palmiers, c'est quoi ça? C'est un palmier à huile. Cela donc. C'est du gros palmier. Donc c'est un palmier pour faire de l'huile de palme a priori cela. Palmier à huile. Oh, il y en a des très grands. Hop. Voilà. Des bananiers. Ouais, non. Bananier à huile. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des roseaux. Ça, je vais en mettre un peu par là. On va mettre des pierres un peu par là aussi. Hop, des roseaux. Roseaux, c'est pas mal. Il n'y a pas de papyrus. C'est où le papyrus? Ah, c'est ça. Voilà. Ça, ça frappe, ça fait bien Égypte, ça. Ça fait bien nord-africain, ça. Papyrus. Hop. Ok, donc maintenant des petites plantes. Des petites plantes, des trucs comme ça. Voilà. Pour mettre à côté. Par là. Voilà, des trucs comme ça. Ok. Ça, c'est minuscule, dis donc. Pas mal là, comme ça, pouf. Sur les pierres. Tac, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des petits trucs comme ça. Hop. Hop. Tac, ça c'est trop gros. C'est du bambou ça? Ouais, on va mettre de bambou. Plus. Ah, pas mal. Ça, ça va bien, c'est un peu de partout. Tac. Ok. Paf, on va mettre un peu des pierres. Donc là, on va réutiliser les filtres. On va mettre des airs. Des pierres. Alors je voulais juste ici faire en sorte que on voit plus rien derrière là. Clac, donc quelque chose comme ça, ça se présente pas mal. Touk. Voilà, bah parfait, regarde-moi ça. Boum. Voilà, nickel. Ensuite il va falloir faire la même chose par là.
Comme ça, ouais, voilà, la pierre elle rentre un peu à l'intérieur, hein, c'est normal. Ok. Alors les gros gros, il y a lequel? Il y a celui-là aussi en gros. Il est pas très gros. Celui-là, non plus. Ils sont plus très gros les gros après, hein. Alors, hop, on se met par ici. Putain, faut pas qu'on dépasse le niveau de la mer. Enfin, de l'eau. Alors, tchac. Pouf, voilà. Et maintenant, on est au-dessus. Donc là, on va prendre quelque chose comme ça. Paf. Paf. Ah, qu'est-ce que ça détend cette musique. Je l'aime beaucoup. Ça va parfaitement bien avec ce jeu. Alors, la dernière est une grosse pierre plate. Clac. Le jeu des moments qui ralentit. Ok, de toute façon il y aura sûrement des trucs en plus là. Tels que des plantes et des rambardes. Ok, donc là on est bon, ici c'est pas mal. Chose que je voulais voir moi, c'est si lui il peut s'échapper. Non? Eh ben très bien, c'est nickel. Et bon, ça c'est pas parfait. Faudra faire attention aux petits, aux enfants, aux jeunes crocodiles après. S'ils peuvent pas genre continuer à grimper par là, ces zones-là où c'est limite. Comment ça? Configuration des zones de travail, mais si c'est bon maintenant. On remet pause, on enlève ça. On va quand même mettre des cailloux un peu de partout là. Pour faire un peu mieux. Genre comme ça. Genre comme ça. Hop. Tac. Pouf. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a rien de bien. Le gros plat, il pourrait aller bien par là, là. Paf. Voilà, vous voyez. Donner un peu de la vie. Hop. Touk. Ah, mais c'est pas possible ça. Zou. Oh, désert. Des petits. Il n'y a pas des petits. Il y a bien normalement des petits. Voilà. Bon, bah, il est pas mal cet enclos. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve qu'il est pas mal du tout. Là, on va essayer de faire une petite cascade. Alors, c'est là que ça va être un petit peu complicax. Parce que il faut que ce soit plus en pause le jeu pour que ça marche. Donc, on va mettre comme ça. Chute d'eau trouble. Chute d'eau 5 mètres. Voilà. C'est là que c'est pas top. Hop. Alors déjà.
déjà. Comme ça, faudrait. Comme ça. Ok. Normalement, il faut cacher le petit truc, mais... Là, c'est pas possible, quoi, de le cacher. D'accord que c'est impossible de le cacher. Si je veux faire quelque chose de bien. Je veux dire que de toute façon, là, à un moment, il va bien falloir que je mette de l'eau qui coule comme ça. Alors, eau. C'est quoi le haut d'une chute d'eau? Ah, c'est ça. C'est là qu'on a les trucs intéressants. Bon, c'était pas super bien placé, ça, mais bon. Comme ça. Comme ça. Ah, il nage, le crocodile. Ah, tiens, il commence à faire froid. Ça va me permettre de régler certains problèmes, je pense. Pas mal ma cascade. Ça fait un peu bizarre ici, mais bon. C'est pas trop mal. Je suis pas sûr que ça leur plaise aux crocodiles marins d'avoir de la neige. Ouais. Ça leur plaît pas d'avoir de la neige. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent être comme ça. Bien être faible, ouais, voilà. Et ben ça va me permettre de régler tous ces problèmes hein. Du coup j'ai pas mis trop de plantes, lui non c'est bon. Optimisation on verra plus tard. Origine machin machin machin. Donc là on va mettre dans l'habitat des chauffages. C'est où c'est là. Du coup des chauffages, d'ailleurs il va falloir régler la température de l'eau également. Alors des chauffages, là on va en mettre un peu comme ça dans l'eau. On va en mettre un par ici. Attendez, faut que je prenne celui-ci du coup qui est là. Bon, hop, voilà. Là, on va le régler. On peut le régler tout de suite ou pas? Non. Ventilateur pour le frais, chauffage pour le chaud. Ok. Donc, on a dit qu'on en met un par là, caché dans le sol, qu'on va mettre à 30 degrés, je sais pas moi, il veut combien lui? Il veut combien? Est-ce que c'est marqué par là? Pas sûr. Soupédie. Crocodile marin. Entre 12 et 42 degrés. Ok. Il est où mon truc là? Là. Voilà. Là, donc entre 12 et 42, ouais, bah 30 c'est pas mal. 30 c'est pas mal. Ok, donc on va faire CTRL-D. On va en mettre un autre dans l'eau là. On va en mettre un par ici. On va en mettre un par ici. On va en mettre un par ici. On va en mettre un par ici.
On va en mettre un autre par là. Hop, et un dernier par ici dans l'eau. Ok, je pense que c'est pas mal ça. On va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est pas mal. J'espère qu'il y a de l'électricité. Ouf, c'est juste. Lui, c'est bon. C'est juste, hein. C'est juste, je vais faire remettre des trucs là-dedans. Par contre, ça va être la température de l'eau là qui va pas être bonne. Ah là, il en manque un peu. Ok, bon, alors. Où c'est qu'il est? Il est là. Il faut un autre par ici. Faut un autre par là. Touc. Voilà. Better. On va aller voir ce qui s'est passé parce que j'ai enlevé la pause pendant un long moment. Un chameau et gestant de sang, on avait vu. L'otarie, on avait vu. Tac, tac, tac. Alors, un Niala est adulte. Elle, on avait dit qu'on la gardait. Ouais, on avait dit qu'on la gardait. Et elle, on a dit qu'on la vendait. Hop, à vendre. Ah oui, donc là, effectivement, les animaux. Oh non, ça doit aller, eux, non? Ouais, ça va, ils peuvent vivre dans le. Il y a un peu trop de neige. Il y a un peu trop de neige pour eux. Ouais, mais ça passe. Là, ils sont bons, là. C'est pas eux qui ont un bien-être faible. Les pires. Les flamants roses. Oh, il y a tous les animaux là, j'avais rien fait ici. Ah ouais. Ah ouais. Bah, les phoques, ça devrait aller, eux, non? Alors, il y a tous les crocodiles. Rhinocéros. Les Nyala. Les flamants roses. Bah, tous les animaux là, quoi. Et tout le... Ouais, tout cela, tout cela. Ok, bon, alors les flamants roses. C'est parti, hein, pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, on va gérer ça. Flamants roses. Ils sont tous dans le truc. Hop. Hop. Aussi les hyènes, ouais, ok, tous ceux qui sont au milieu, l'animal à faim, ouais, ça sera bon. Donc tous ceux qui sont au milieu, on a dit, donc là voilà, faut que j'en mette un peu partout, hein. Paf, paf. Ah, ça dépasse. Zut. Qu'est-ce que ça donne déjà? Qu'est-ce que ça donne pour les flamants roses? J'espère que ça va pas être trop chaud pour eux après. Attendez, les flamants roses. Tiens, j'ai une antilope qui est adulte. Antilope d'Amérique encore. Oh! Oh, celle-là va peut-être se vendre cher. Hop, très bien. Alors, on a dit les flamants roses. Les flamants roses, et on est à 40 minutes de vidéo. Alors, les flamants roses. Non, c'est pas ça que je vais faire. On retourne dans la zoopédie.
Les flammes en rose. Entre 8 et 40, donc 30 c'est bon. Les... comment il s'appelle? Lycaon. Les Lycaon. Entre 16 et 40, donc c'est bon aussi. On va juste en poser un autre par là, du coup, au milieu. Ça manque un petit poil là. Ici. Hop. Puis par là aussi, tiens. De toute façon, hein, pour ce que ça coûte, ces trucs-là. Pourquoi je sais pas comme il faut là, voilà. Hop, donc là, faut qu'on fasse la même chose ici, du coup, maintenant. Paf. 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 Là, ça va manquer ici. Là, clac, alors là j'en ai fait dépasser une, je l'ai posée n'importe comment. Hop, on la descend. Pareil, on va mettre lecture, voir ce que ça donne. Hop là. Ça donne ça vraiment là? Non, voilà. Ok, il n'y a plus de neige, très bien. Et il restera plus que les Nyala là ici. Ça, nourriture disponible, couchage. Ah, il manque du couchage. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. C'est nouveau ça, non? Je crois bien que c'est nouveau ça. Je vais devoir là. Optimisation sociale, non, c'était où? C'était dans quoi? C'était dans quoi? Il est où mon crocodile? Ah, c'est dans l'habitat. Ok, faut que je clique sur l'habitat. Faut que je clique sur l'habitat. Non, l'habitat là, voilà. Animaux. Eau disponible, couchage, nourriture disponible. Ah! J'avais pas vu ça. Bon, eux, ils ont pas de bouffe du coup. Donc j'avais pas fini ces deux enclos. Zut. Bon, on va pouvoir finir ça aussi à l'heure du coup. Putain, je suis déjà à 43 minutes. Ah! Ah oui, donc j'avais pas fait l'optimisation de eux aussi. Bah, pourtant, j'avais bien mis des trucs de bouffe là. Ils ont bien de la nourriture, la boule à fourrage, c'est bien de la bouffe ça. Soigneur recrit, vas-y, appelle un soigneur, voilà, comme ça on n'en parle plus. Par contre, de la flotte, effectivement, eux, ils doivent pas en avoir. Conduite d'eau. On va la mettre par là. Par ici, tiens. Ces visiteurs, ils se verront pas trop. Voilà. Et on va leur mettre du chauffage à eux aussi. Parce qu'eux, ils doivent pas être top non plus. Les chameaux. Terrain, neige, ils doivent bien y aimer, hein. Ouais. Ouais. Température, ça doit pas être top non plus. Ah, ça peut aller de moins 40 à 44 degrés. Les chameaux, c'est marrant ça. Par contre, le terrain, c'est pas du tout ça quoi. On va quand même leur mettre du chauffage, au moins ils seront bien toute l'année. Il n'y aura pas de neige surtout. Il n'y aura pas de neige comme ça. Hop. 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 Et hop là. Hop, ça doit être bon. Alors il restait les rhinocéros là-bas, je crois. C'est pas les rhinocéros, c'est les Nyala qui sont là, je crois.
je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe. C'est possible que je me trompe. Hop, ces trucs-là, on les cache dans le sol, c'est quand même plus joli. Hop, voilà. Vraiment, on est à peu près bon là, surtout les animaux qui aiment pas le froid. Bien-être faible, guépard, comment ça? Ah, les guépards aussi, j'avais pas prévu la neige. Je l'avais pas fait du tout en fait. Un type d'Amérique. Celle-là c'est bon, celle-là c'est bon. Le renne, il est adulte, lui il est à vendre. Oh, doré. Allez, on le vendra, très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Comme ça, la prochaine fois que je vais ouvrir le jeu, je saurai qu'il faut que je gère la neige. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois, on essaiera de terminer quand même les crocodiles marins et les chameaux, du coup, puisqu'il manquait des trucs. Ah non, c'est juste la bouffe qui leur manquait. Les crocodiles marins, on refera un petit point. Et puis bon, on essaiera de gérer la neige, enfin le froid un peu de partout du coup, parce qu'apparemment j'ai oublié des endroits. Voilà, donc allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao.